La vue est incroyable d'ici. Là, on vient de s'entraîner à monter dans le mât parce que c'est important de l'avoir fait au moins une fois pour moi. Si on a une avarie, c'est important de pouvoir y aller et de savoir comment monter dans le mât. Je me suis fait avoir, je crois. Non, on a tiré au sort. À bord de cohésion, on tire au sort. Non, l'idée, c'est d'envoyer le plus léger. Donc, c'est plus facile derrière à mouliner à la colonne. Plus quand même t'es lourd, plus c'est dangereux d'être en haut. Donc, Ça va, les conditions sont assez légères pour une première fois. C'est un peu moins stressant qu'il y avait des vagues. C'est Erwan qui va tout faire en fait. Grâce au winch et aux colonnes de winch, il va réussir à me monter en tête de mât. Moi, je suis accrochée à la drisse d'homme et du coup, ça va faire qu'il va tirer dessus et moi, je vais monter. Il faudra juste que je m'accroche pour pas voler dans tous les sens. Vue sur le Père Fouras et le Fort Boyard, l'île d'Oléron, l'île d'Aix, magnifique. Est-ce que tu veux que je te montre des jumelles pour que regarder si tu vois le Père Fouras dans sa tour? Je vais te poser une question. Une affiche à panneau. Il me dit que ta lotte n'est pas encore passée la dernière. Ça va, t'as de l'humour toi, moi.